Comment publier sur LinkedIn comme un graphiste? L'objectif ici est de vous montrer comment créer des images plus impactantes pour qu'elles soient vues par un plus grand nombre de personnes dans le flux d'actualité de LinkedIn. Nous allons voir ensemble des exemples de choses à faire et celles à ne pas faire, et je vous donnerai mes solutions graphiques à des problématiques fréquentes. Normalement, demain, vous serez plus efficace pour créer des images qui seront plus percutantes dans le fil d'actualité de LinkedIn ou d'ailleurs même des autres réseaux sociaux. En tant que graphiste travaillant en e-learning depuis 1998, mon expérience sur les différents supports d'apprentissage digitaux me permet de vous donner un feedback sur les meilleures pratiques pour gagner l'attention de votre cible. Être graphiste, ce n'est pas seulement faire de belles images, c'est aussi rendre le message plus lisible, plus compréhensible et permettre trois choses: de mieux communiquer avec votre audience, de permettre l'action et de, troisièmement, permettre à votre cible de se souvenir de votre message. Pour que vos futures publications sur LinkedIn soient vues par votre audience, je vais vous partager les trucs de graphiste dont vous avez besoin, les outils à utiliser et les spécificités de LinkedIn. Première chose à faire, c'est de créer des images selon les dimensions recommandées par LinkedIn. Chaque réseau social a des spécificités en taille pour les images, mais aussi pour les vidéos. Les dimensions sont données en une unité de mesure qui s'appelle le pixel, abrégé en px. Pour que vos images n'apparaissent pas à l'œil de manière floutée, il est important de respecter les dimensions données par LinkedIn et d'opter pour une résolution d'image de 300 dpi. Ces dpi, c'est une unité de mesure qui est dot par inch, un point par 2,54 cm. Voilà les dimensions des images que vous recommande LinkedIn et que moi je vais aussi vous recommander. Vous allez voir, des fois il va y avoir des petites variantes. Alors, pour l'image de votre portrait, il faut que vous fassiez une image qui est 400 pixels par 400 pixels. Sachez que l'image, comme elle apparaît dans un cercle, vos quatre coins ne seront pas visibles. Pour l'image de couverture, sachez qu'il faut faire une image qui va faire 1584 pixels par 396, mais seulement une partie de cette image sera visible et elle sera visible sur 1350 pixels par 220 pixels. Il faudra donc penser à ne faire rien apparaître en dehors de cette zone et penser aussi à ne rien mettre derrière votre photo de portrait. Pour les images qui apparaissent dans votre profil, la dimension de ce genre d'image est de 1280 par 672 pixels. Si nous passons aux dimensions dans les fils de publication, les publications sur LinkedIn sont rectangulaires. LinkedIn vous recommande de les faire à 520 par 320 pixels. Comme moi, je fais toutes les images en 300 dpi, il faudra que vous la fassiez en 1200 par 738 pixels. Moi, j'utilise aussi beaucoup les images carrées. Dans ce cas-là, j'utilise 1200 par 1200 pixels. Personnellement, je vous recommande aussi de régulièrement vérifier que les développeurs de LinkedIn n'aient pas modifié ou fait évoluer plutôt ces dimensions. Moi, je les vérifie en général tous les ans en mois de janvier. N'oubliez pas toujours 300 dpi pour que vos images soient jolies. Quel outil utiliser pour créer vos images? Alors, vous pouvez utiliser des outils de création graphique tels que Photoshop ou leur équivalent semi-gratuit tels que Pixlr ou Gimp. Mais vous pouvez aussi utiliser des applications telles que Canvas ou PicMonkey, qui sont des applications qui vous proposent des modèles déjà existants. Sachez que ces derniers n'ont pas de modèle pour les dimensions spécifiques de LinkedIn. Donc, la qualité de vos images va être moins bonne. Et puis, la difficulté d'utiliser des outils de modèle, c'est que il y a un choix vraiment important, un choix vraiment chouette important, parce que d'ailleurs, ce sont des images qui sont faites par des graphistes. Donc, vous allez être séduit par toute cette variété de modèles.
Et sans doute que vous n'allez plus suivre votre charte graphique. Vous allez par exemple utiliser la typo du template au lieu d'utiliser la vôtre. Vous allez utiliser leur choix de couleur parce que vous la trouvez sympathique. Ou subitement, vous allez utiliser un icône qui n'a rien à voir avec la publication que vous vouliez faire. Ce qui fait que vos publications, on va moins bien les reconnaître. Pensez à l'exemple des grandes marques. Donc, on reconnaît les publications, les publicités, juste par un détail. Autre inconvénient d'utiliser des outils tels que Canva, c'est que d'autres personnes vont avoir le même genre de visuel que vous et que du coup, dans le fil de publication de LinkedIn, votre image sera moins impactante. Mais sachez quand même que tous les outils, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, toutes les recommandations que je vais vous donner restent valables. Pour bien communiquer, il faut être cohérent pour votre audience. Votre public doit reconnaître vos messages parmi le flux d'informations. Pour cela, le plus simple est d'avoir votre charte graphique. Alors, comment faire une charte graphique? C'est quoi une charte graphique? Eh bien, ce sont des éléments graphiques et visuels que vous allez toujours utiliser. Vous allez toujours utiliser votre logo, vos couleurs, vos typographies, vos icônes. C'est votre style de communication. Pour faire une charte graphique, rien de très compliqué. Il suffit de partir de votre logo, d'en extraire des couleurs. Vous allez utiliser deux de ces couleurs, maximum trois. Vous allez utiliser deux typographies. Ça peut être une seule typographie, une fois en régular, en normal, et puis une fois en gras, par exemple. Et puis toujours utiliser le même genre d'icône, ce qu'on appelle avoir des icônes chartées. La difficulté dans les communications, c'est le choix de la couleur. Alors, comment choisir une couleur? Tout, voilà, est-ce que c'est une question de mode, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est de partir des couleurs que vous utilisez dans votre logo. Pour être facilement visible à l'œil, il faut que le contraste entre deux couleurs soit tranché. Le truc de graphiste, c'est de prendre le temps de tester les couleurs entre elles pour être sûr qu'elles matchent bien ensemble. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, moi, dans mon logo de Miss Cary Grant, j'utilise un bleu et un vert d'eau. Si je les utilise l'un sur l'autre, vous voyez bien que mon vert d'eau est trop estompé. Par contre, si je vous donne cet autre exemple, si je mets mon bleu que j'utilise dans mon logo sur un fond gris foncé, vous voyez très clairement que la phrase est plus facile à lire. Le truc de graphiste, il faut aussi prendre le temps de tester sur différents supports. Tester sur votre mobile, tester sur un ordinateur, sur deux écrans différents, tester même sur une projection, parce qu'il peut y avoir une grande différence, et puis opter finalement pour la lisibilité, la meilleure. Il faut aussi choisir une typographie pour faciliter la lecture. Pensez que tout le monde ne sait pas bien lire. Tout le monde ne lit pas à la même vitesse. À l'écran, les typos sans sérif se lisent plus facilement. Alors, qu'est-ce que c'est du sans sérif et du sérif? Eh bien, le sérif, c'est celui qui a des bâtons qu'on utilise plus en édition. Ensuite, choisissez plutôt des typos qui soient épaisses. Ou alors, passez-les en mode gras, en mode bold. Utilisez plutôt des typographies qui soient faciles à lire. Moi, je vous recommande de ne pas utiliser de typographies fantaisistes. Vous pouvez les garder, mais par exemple pour les utiliser dans des bulles de dialogue, par exemple. N'écrivez pas en trop petit. Écrivez minimum en taille 14 points. Alignez aussi votre texte sur la gauche parce que ça permet une lecture plus rapide par l'œil. Pour faciliter la lecture, il faut faire simple, il faut hiérarchiser l'information, aérer votre texte. Finalement, il faut faire simple pour faciliter la lecture. Réécrire votre texte avec des phrases courtes, un verbe, une action. Je vais vous montrer des exemples. Sur une image telle que celle-ci, je mets une phrase pour inviter mon public à venir au bistrot. Eh bien,
Sur cette image, je vais déjà améliorer cette communication en disposant différemment mon texte. Je vais utiliser l'espace vide de la photo. Je vais écrire mon texte complètement dans cet espace vide. Je vais encore l'améliorer en mettant en hiérarchisant l'information, en mettant le bistrot de l'entrepreneur en gras. Je vais encore l'améliorer, je vais caler le texte à gauche pour permettre à l'œil de lire plus vite mon message. Je vais hiérarchiser encore plus l'information en me disant que je vais faire revenir 17 heures pour pouvoir mieux le visualiser. Et puis finalement, je me dis que je n'ai pas vraiment besoin de cette information du lundi au vendredi, que je veux vraiment que les gens se viennent à 17 heures. Pour moi, c'est l'information qui est la plus importante. Du lundi au vendredi, je le mettrai dans la publication de la zone texte de mon information. N'oubliez pas, less is better. Le mieux est le plus efficace. Je vais encore améliorer ma communication parce que je veux vraiment que ce soit des entrepreneurs qui viennent à mon bistrot. Ainsi, je mets ce mot-là en avant. En conclusion, aligner les éléments entre eux et les répartir de manière équilibrée, aligner toujours votre texte sur la gauche, égaliser les espaces entre votre contenu et les bords de la photo, laisser de la marge pour que votre contenu respire. Vous verrez, en appliquant ces techniques simples, votre contenu apparaîtra plus moderne et sera aussi plus impactant. Alors, comment choisir une photo? Eh bien, une photo, elle doit capter l'œil, surtout dans un flux d'informations tel que celui de LinkedIn où il y a beaucoup de visuels qui vont apparaître. Il faut que votre photo capte l'œil. Et pour capter l'attention, n'hésitez pas à surprendre votre public. Mais voilà, il faut renforcer votre message en prenant le bon visuel. Alors, où trouver des photos libres de droit? Eh bien, il y a des banques d'images photographiques telles que Pixel, Snapchat, Footer ou un outil de recherche d'images EveryPixel qui permet d'orienter les recherches telles que les images libres de droit, l'orientation des photos, des espaces vides dans les photos, des dominantes de couleurs, etc. Et puis, vous avez aussi des illustrations. Des banques d'images d'illustration telles que FreePixel ou Flaticon. N'oubliez pas de citer les photographes, par exemple, en utilisant les hashtags en fin de votre zone de texte dans votre publication. Vérifiez toujours si ce qui est autorisé. Est-ce que vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce que je dois citer le photographe? Une banque d'images auquel on pense peu, c'est la banque d'images de la Bibliothèque nationale de France où on a 1 million d'images qui font partie du domaine public. Alors pour avoir une image impactante, eh bien, il faut créer un visuel qui va séduire spécifiquement votre audience. Il va falloir réfléchir à qui est votre public. Par exemple, quel est son âge, quels sont ses codes de son secteur d'activité, votre public a-t-il des difficultés en particulier, des handicaps? En tout cas, vraiment, pensez à votre cible quand vous cherchez une image. Il faut parler leur langue et vous mettre à leur place. Quand vous choisissez une image, il faut choisir une image où vous allez avoir de la place pour intégrer votre texte sans détériorer l'image. Comment vous allez communiquer graphiquement? C'est-à-dire, est-ce que vous allez utiliser une photo réaliste, une photo humoristique, une image décalée, des vidéos, des gifs animés, une illustration? Tout ça aussi, il faut que vous le pensiez. Si vous ne trouvez pas d'image sur lesquelles vous ayez assez de place pour écrire un texte, pensez à utiliser un bandeau que vous pouvez mettre en semi-transparent, par exemple. Quand on n'est pas graphiste, on utilise souvent une photo à côté d'une zone texte. Mais sachez que votre message sera plus fort si vous donnez toute la place aux images.
Voilà un truc de graphiste. Cette photographie prend toute la largeur de l'image. Ainsi, le texte est plus fort que la version précédente. Alors en résumé, quand vous communiquez, vous utilisez deux couleurs, pas plus. Vous voyez par exemple là, j'ai deux couleurs sur cette communication, mais je peux aussi les inverser, ce qui fait que j'ai quatre couleurs finalement. J'utilise que deux typos qui me permettent de hiérarchiser. Ça peut être la typo en régulier et en normal et en bold. Des textes courts pour faciliter le message. Les pires problématiques pour le choix des images sont choisir une image qui a une mauvaise résolution, mettre trop de texte sur l'image, avoir une image qui n'est pas homothétique, une image qui n'est pas adaptée à la cible. C'est un mauvais choix d'image. Et puis, bien sûr, une image qui n'est pas libre de droit. Voilà, désormais, vous devriez être capable de faire des images qui retiennent plus l'œil de votre public lors de vos publications sur LinkedIn. Et puis, pour finir en beauté, je vous propose de faire un petit jeu, le jeu du graphiste. Il suffit de trouver les erreurs sur les publications que vous allez voir. Dans cette publication, trouvez les 4 erreurs de cette image. Ici, à nouveau, 4 erreurs dans l'image. À vous de les trouver. Dans cette publication, il y a 3 erreurs, selon moi. Selon vous, où sont-elles? Et ici, trouvez les erreurs dans l'image. Je ne vous donne pas le nombre. Trouvez-moi les erreurs. Voilà, je profite de ce petit visuel pour remercier les photographes dont j'ai utilisé les images dans les banques d'images gratuites. Pour connaître les réponses au jeu du graphiste, regardez dans la zone texte ci-dessous. Vous trouverez les réponses et le questionnaire. Merci.